C'est un secteur qui est très porteur, tout à fait. On peut dire que les spas représentent environ 50 milliards de chiffre d'affaires au niveau mondial, dont plus de 10 milliards aux États-Unis. Le taux de croissance mondial est de l'ordre de 30-32% depuis 2003. Et en France, on est à 61% de taux de croissance depuis 5 ans. Donc il faut dire que la France avait un énorme retard dans le domaine, puisque la France est un pays de tradition davantage thalasso et thermalisme. On a fait des études auprès de plusieurs organismes spécialistes dans différents domaines, dont celui du spa, et on s'est aperçu qu'en fait, tous ceux qui avaient ouvert avant nous des spas en France progressaient dès la première année de 10 à 20% en occupation et donc en croissance chiffre d'affaires et résultats. Ça génère beaucoup de cadeaux, beaucoup de clients qui nous achètent sous forme de cadeaux. Les enfants achètent à leurs parents pour les noces d'or, les enfants achètent à leurs parents pour leur 30e anniversaire de mariage, les parents achètent à leurs enfants pour un anniversaire également, les entreprises à leurs clients, les entreprises à leurs collaborateurs. Ça génère vraiment un nouveau comportement d'achat et de nouvelles perspectives pour nous. Du raisin, on extrait des polyphénols et des OPC de raisin qui agissent sur la circulation sanguine, sur la densité de la peau, donc beaucoup de bien-être et beaucoup de fermeté au niveau de la peau, anti-âge, protection, antioxydant. Le spa, c'est un art de vivre et j'aime bien pouvoir le combiner à d'autres catégories d'art de vivre, comme là nous sommes en région Beaujolais-Bourgogne, on peut évidemment faire un circuit ou tout au moins des visites œnologiques. On peut également combiner le spa avec du sport, donc il y a pas mal de pistes cyclables qui permettent de visiter les différents châteaux. On va avoir les couleurs de la cabine qui vont donc varier en fonction des univers, ainsi que la musique. Donc le rouge qu'on voit là, donc, qui est le premier, représente l'univers de la Terre, donc l'univers Terra Magica. Le second, ce sera l'univers donc bleu qui représentera l'univers de l'eau. On a réussi, avec les architectes des bâtiments de France qui nous ont aussi donné des lignes de conduite à respecter. Notre idée du viticole est respectée, notre identité château est respectée et en même temps on profite de la lumière et de la clarté de notre environnement très sain, très pur.